Et salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour un nouvel épisode de Mario Kart Tour. Ça y est, c'est le pack opening sur le tuyau de Yoshi numéro 1. Voilà le tuyau spécial pack avec le fameux Yoshi chasse aux œufs doré. Ah, il s'appelle Yoshi œuf d'or, excusez-moi. Yoshi œuf d'or, ok. Très stylé hein, ce nouveau personnage, en plus c'est un personnage boîte à pièces, donc je les veux tous. Hein. Et en plus, le pire de ça, c'est que je les ai tous, les personnages boîte à pièces, sur Mario Kart Tour. Alors, ce tuyau est plutôt intéressant parce qu'il a 9 ultra rares, hein. Ça change des tuyaux assez classiques qu'on avait eu avec des tuyaux numéro 1 avec que 6 ultra rares. Là, on en a 9. Ce qu'il y a de très intéressant dans ce tuyau, c'est que je n'ai presque rien, en fait, en lumière. Mis à part le parachef coloré que j'ai. Après le reste, je n'ai rien. L'œuf d'or, je le voulais absolument. À chaque fois qu'il y avait des tuyaux spéciaux dorés qui arrivaient avec des cartes dorées, des personnages dorés, des ailes dorées, je n'ai jamais eu ce bordel de cartes. Je l'ai jamais eu, il m'a fui à chaque fois. Et je le veux parce qu'il est intéressant pour la vallée de Yoshi. Après, bien évidemment, je veux le Yoshi œuf d'or. De toute façon, j'ai assez de rubis pour l'avoir. Hein. Je peux avoir tout ce qu'il y a en lumière. J'ai 780 rubis, mais le mieux, c'est eh bien, d'avoir ça le plus vite possible. Après, il y a aussi le parachef d'or qui est très intéressant parce que c'est un deltaplane pièce plus. L'automobile figure plus, c'est cool. Et je l'ai pas, et il est stylé, donc c'est très bien. Et après, un petit doublon de Yoshi chasse aux œufs pour l'améliorer, ça sera cool, voilà. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été ajoutées en or lumière dans cette saison. Par exemple, je peux vous citer le Wario Cowboy, le Todd Chat en personnage. Donc, eh bien, écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour cette vidéo. Si je repars avec tout l'attirail de Yoshi œuf d'or, eh bien, j'invoquerai peut-être sur le tuyau coloré parce que ça me permet d'augmenter un petit peu mes personnages. Ça peut être sympa. Après, je veux pas être trop greedy non plus parce que j'ai pas mal de rubis, j'aimerais bien les garder. On sait jamais s'il y a une saison de dingue qui apparaît durant les prochaines saisons, ça peut être cool de garder ses rubis pour invoquer à ce moment-là. En tout cas, voilà, ça fait longtemps que je voulais invoquer sur ce tuyau. C'est parti, il m'a tellement fait envie, il m'a tellement fait de l'œil. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a un tuyau spécial qui arrive, qui est plutôt intéressant, qui arrive dimanche avec le Yoshi Kangourou que je vais essayer d'avoir. Alors, on est parti. Fun Flower, alors bien évidemment, améliorons le plus eh bien, de cartes, d'ailes et de personnages au niveau 8, hein. C'est l'objectif bien évidemment, puisque j'ai l'impression que le niveau 8, eh ben, c'est un peu le niveau final, puisque regardez, il y a une petite animation quand tu montes quelqu'un niveau 8, donc c'est plutôt pas mal. Le Lucky Tu, bientôt niveau 7. Bon, après les personnages rares, je les utilise pas tellement, mis à part le Yoshi bleu. Et il y a qui d'autre? Il y a aussi le Toad Stand jaune que j'utilise parce que je les ai bien montés, mais après le reste, on s'en fout total. Hein. Allez, parasol en papier clair, ça c'est très bien à augmenter, génial. Bon, c'était un tuyau vert, donc normalement je devrais pas avoir d'ultra rare, ça c'est un peu dommage. Mais à chaque fois 40 articles standards pour améliorer quelque chose niveau 8, ça me paraît énorme en fait. Mais bon, on va bien y arriver au fur et à mesure, hein, mais bon. Là en ce moment, j'ai pas trop invoqué mine de rien, la dernière fois que j'ai invoqué c'était pour, c'était pour le Maskass Ninja Rose, mais après sinon, j'invoque pas trop, hein. Je suis pas si dépensier que ça en ce moment. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi quand même à avoir le Yoshi, dès leur premier tirage, x10, mais moi ça m'arrive jamais. Enfin quoi que, allez je dis ça, j'ai eu beaucoup de chance hein, quand même lors du dernier pack opening, donc peut-être que le jeu s'est dit, bon on va réguler un petit peu sa chance à lui, parce que sinon, si à chaque fois il tape tout ce qu'il veut, ça va être chaud. Allez, le Yoshi chasse aux œufs. Oh, oh ok. Ah bah écoutez, je ne l'ai pas, mais il est pas fou. Donc ça, c'est l'un des nouveaux articles qu'on peut avoir cette saison. Putain, la chance que j'ai eue quand même. Bon, après, il y a beaucoup d'articles hors lumière, ultra rares en personnages que j'ai. Je crois que je les ai même tous, mis à part le Wario Cowboy. Donc, écoutez, très content. Ok, écoutez, ce tirage n'aura pas servi à rien, finalement. Allez, El Wario, en plus. On a deux articles Wario, ça, c'est cool. Birdo jaune. D'ailleurs, Birdo jaune, elle a même pas la banane géante. Genre, elle a l'œuf de Birdo. C'était encore l'époque où ils ajoutaient des skins avec, 10 fois le même objet, quoi. Maintenant, quand ils font des skins d'une autre couleur, l'avantage, c'est qu'ils mettent de nouveaux objets. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on continue. Ok. Parapente BBIA. Le rétro. Mince, excusez-moi. J'ai appuyé trop vite. C'est pas grave. Ok, le cornichon. Et c'est tout. Bon, très bien, hein, le Wario Cowboy. Pourquoi pas. Là, il a eu un nouveau T3 sur Jardin Volant. Galion de Wario aussi, Road Trip à Los Angeles 2SI. Mais bon voilà, c'est un personnage que je n'utiliserai pas parce que j'ai déjà beaucoup mieux en fait. Mais bon, au moins ça me permet de terminer une ligne, voilà. Ça serait cool quand même d'avoir des récompenses si on termine une ligne de personnage. Non, j'en demande trop là.
Bon allez, prochain, c'est Waluigi Vampire. Hein. Non mais en vrai, Waluigi Vampire, c'est un peu le running gag. J'ai tellement pas envie de l'avoir. Mais en même temps, vous m'avez tellement tanné pour invoquer dessus. Mais j'aime bien vous troll un peu. Allez, c'est parti. Tuyodoré, qui dit Tuyodoré, dit ultra rare, bien évidemment. Donc peut-être Yoshi chasseuse, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça sert à rien de réinitialiser le tuyau. Là, j'ai rien eu en lumière pour le moment. Après, en article en lumière, j'aimerais beaucoup l'œuf doré. Parce qu'il est très utile quand même. Hein. En carte, hein, je parle, bien évidemment. Et après, la coquille d'œuf, là, en deltaplane, ça serait sympa. En doré. Ah, bah ok, bah je l'ai pas, donc c'est très bien. Œuf automobile. Très stylé, ce carte. En fait, c'est un panier avec un œuf dedans à moitié pété où tu peux conduire. Et un ruban. Ok, je crois que c'était la pire description de carte que j'ai fait de ma vie, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le roi Bou que j'ai eu en costume. Ok, l'aile standard. Bon, ça, c'est vraiment random, hein. Pareil, turbo ruban, c'est random, on s'en fout total. Mais bon, ça les augmente, quoi. Fun flower. Bon, j'ai eu de la chance dans mon malheur parce que j'ai quand même eu le Wario Cowboy, quoi. Après, il faudrait que je regarde un petit peu les personnages bah, que j'ai pas en hors-lumière. Mais je les ai pratiquement tous, je crois. Hein. J'ai un trop bon compte, en fait, sur Mario Kart Tour. Mais je m'en plains pas, attention. Bon, 645, là, ça fait un peu chier, quand même. J'ai pas envie de repartir en dessous de la barre des 500 rubis. Allez, c'est reparti. 45. Allez, ultra rare, là. Ah, ben voilà. Allez, Todd. Porte-moi chance, Todd. Le Todd vert, là. Il était tout content. Il devrait ajouter de nouvelles animations, d'ailleurs, pour les invocations. Ça manque un peu, je trouve. Enfin, avoir... tout le temps l'étoile, là, c'est pas fou, quoi. Ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa. D'ailleurs, est-ce que vous le saviez, mais dans la bêta, je crois, du jeu, ou dans une donnée qu'on a trouvée dans les fichiers, en fait, il se trouve que les personnages devaient être animés. Genre, quand on les sélectionnait, ben, ils devaient être animés. On avait un exemple de Toadette qui était animé, et du coup, je pense personnellement que, ben, ils auraient dû être tous animés, les personnages. Mais peut-être que ça prenait trop de ressources, j'en sais rien. Allez! Allez, s'il te plaît, Yoshi, doré. Oh, vas-y. Bon. Niveau 2. Voilà, quoi. voilà. Ah, ben voilà, yes. C'est bon, il m'a fait une frayeur. Il était caché derrière son copain. Le Yoshi œuf d'or. Yes. Cool. Bon, alors, là, ça va être la question. Est-ce que je continue d'invoquer pour le kart et l'aile ou je garde? Ça va être la grande question. La question à 10 000. Je sais pas trop parce que vraiment l'œuf d'or, c'est intéressant. Le delta plane est stylé. En fait, j'aurais préféré qu'on ait directement le kart et l'aile avant le personnage. Mais là, je suis dans une configuration où j'ai beaucoup de rubis, donc je peux me permettre hein, d'invoquer. Yes! Bon, il a pas la même voix. Ça, c'est déjà bien. Ouais, il a une voix un petit peu plus grave. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, Yoshi, c'est toujours les mêmes bruitages qu'il a. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on continue ou pas? Parce que là, il me reste quoi? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 ultra rares à récupérer. Non, mais j'aimerais bien continuer juste pour le parachef et l'œuf d'or. Bah, écoutez, on continue, hein, c'est pas grave. On continue. Oh, purée, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'est pas grave. Continuons. Ok. Yes, Larry. Pourquoi on me donne toujours Larry? Donnez-moi d'autres personnages. Larry, c'est le seul que j'ai mis niveau 8, quoi. Donc, c'est le seul pas intéressant à avoir. Ok, Jet Set. C'est la Jet Set. Ok, Buggy Retro, pire carte du jeu, mais c'est pas grave. Enfin, quoi que je dis ça, mais en vrai, il a été utile sur Flipper Waluigi, là. Donc, c'est pas plus mal, en fait, de l'avoir niveau 7, ce carte. Ok. De toute façon, je peux passer, je pense, hein. Ok, Diddy Kong. Diddy Kong, le problème, c'est qu'il a un mauvais item. Mais sinon, le personnage est grave stylé en lui-même. Bon, ben, pas un tuyau très intéressant. On continue ou pas? Ah, ça m'énerve. Bon, allez. C'est pas grave, c'est Pâques. L'œuf de la chance. Bon. C'est pas de la chance pour moi, là, pour le moment. Bon, après, j'ai eu le personnage, quoi. J'aurais pu économiser 90 rubis, là, vous imaginez? Bon, c'est pas très grave. Bowser Jr. Le Bloops. Très bien. Lui, on l'a presque jamais, le Bloops, d'ailleurs. Morton. Morton, c'est le prochain à passer niveau 8. Hein. Je vais essayer de focus Morton avec mes tickets ordinaires. Super. Ok, Ludwig. Ludwig aussi, il est fort, hein, parce qu'il a... Il a l'anneau turbo, ce qui est quand même assez bizarre. Pourquoi il aurait l'anneau turbo, lui, d'ailleurs? C'est un peu chelou. Bébé Luigi.
Il y a aucun des Koopa Links qui a la carapace de Bowser. C'est assez incroyable quand même. Il y a que Bowser Jr. qui l'a en fait. Ok, Koopa. Bon. Pas un super bon tuyau là pour le coup. On continue. Ouais. Allez. S'il te plaît, le jeu. Oui. J'allais dire donne-moi tort. Parfait. Allez, génial. Vas-y, continue de me donner des ultra rares, s'il te plaît. Le Turbo Birdo Bleu Ciel. Ok. Bon, ça, c'est pas des super bonnes cartes. Hein. Ils sont stylés, mais... Vas-y, je relève même pas. Lui, j'étais content de l'avoir à un moment parce que bah, je trouvais le carte stylé, mais il est pas utile. Mais bon, je l'ai presque niveau 4, quoi. Donc là, on a tapé le carte en or-lumière. Pourquoi pas? On aurait pu avoir l'un des nouveaux cartes en or-lumière, ou on aurait pu taper d'ailleurs les cartes en lumière qui sont dans le tuyau de la deuxième semaine. Mais bon. Ok, l'aile Origami Sbire. Oh, vas-y! C'était celui que je voulais pas. C'était vraiment celui que je voulais pas en plus. Bon, circuit Mario SIA, Vallée Daisy SIA. Que des circuits qui me servent à rien. Parce que j'ai déjà une meilleure aile sur ces circuits-là. Ok, bébé Peach. Le rétro. Le champ mignon. Excusez-moi, j'ai passé. Mon téléphone bug un petit peu. Et le Origami Sbire. Génial! Bah écoutez, là il me manque deux articles. Non mais en vrai, je continue parce que c'est des bons articles. Hein. Si jamais ça avait été des articles de merde, j'aurais pas tenté, mais là bon, quand même. Allez, on continue. Ok, le Turbo Birdo jaune. Ah, je l'ai même pas niveau 7 celui-là d'ailleurs. Ok, bébé Luigi. Bébé Luigi aussi, il faut que je focus parce que c'est boomerang quand même. Ça peut être utile. Turbo Ruban. Allez. Allez, allez, allez. Moi, en priorité, je veux le Delta Plane. Ah, purée, buggy rétro. Vas-y, le Delta Plane, vas-y. Ah, bon, bah, écoutez, ça me va. Allez, ça me va. Parce que le Delta Plane, en fait, il me sert pour Valley Yoshi et j'ai rien dessus. Donc ça, c'est très bien. L'œuf doré, très, très fort. Buggy rétro. Putain, le buggy rétro, il me suit, hein. Carte enfant rouge. Allez, s'il te plaît, l'œuf. Mais non, pas le turbo ruban. L'œuf, allez, l'œuf. Ah, oh bon, ben, malheureusement, l'œuf ne tombera pas. Bon, on fait quoi, là? J'aurais presque tiré un tuyau en entier, quoi, juste pour l'œuf. Bon, allez, c'est pas grave, hein. On va continuer. 45 encore. Oh, c'est bon. S'il te plaît. J'ai une chance sur deux, là, quand même. Une chance sur deux, bon. Normalement, je devrais l'avoir. Bon, je sais que j'ai été un peu greedy, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais plus avoir de rubis, là. Parce que le tuyau spécial, je veux faire une invocation dessus pour avoir le Yoshi kangourou. Je veux pas qu'il m'échappe le Yoshi kangourou. Ok, 250. Ok, l'aile champi de Mario pilote de course. Mais wesh. L'aile de dragon. Bon après, c'est pas une mauvaise aile, je crois, elle. Mais bon, elle a un item pourri. En tout cas, on n'a pas galéré pour les persos. Mais alors, pour l'aile, le truc que normalement je tape à chaque fois, quoi. Bah là, on a galéré, hein. Ok, Iggy. Ah, mais il se peut qu'elle soit encore là, hein. Toad Stand. Très fort, Toad Stand, hein. Boomerang, c'est fort. Ok, Koopa. Inutile. Oh là là, on va passer sur des singles, les amis. Vous imaginez ça? Allez, c'est parti. J'ai de la chance, là, normalement. J'ai de la chance. Ok, bon, pas de chance, on s'en fout. Allez, j'ai de la chance. De toute façon, là, il peut que y avoir un tuyau doré. Ah bon, ok, pas de chance. Oh, Donkey Kong, bientôt niveau 7, par contre. Allez, allez, allez. Doré, doré, doré. Oh purée, c'est pas possible. Normalement, quand tu invoques en single... Voilà, bon, c'est bon. On sait ce que c'est. Ouais, t'es obligé d'avoir un tuyau doré, hein, je pense. Tu peux pas avoir un bait. C'est pas possible. Le parachef d'or. Eh ben voilà, parfait. On aura détruit ce tuyau. Quand même. Bon, ça va. Je suis plutôt content de ce que j'ai eu, quand même. Je vais pas cracher dessus. Est-ce qu'on invoque là-dedans? Non, 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 bah non, parce que je pensais avoir tout rapidement, j'ai pas eu tout rapidement, donc on va éviter. En tout cas, très content d'avoir eu le magnifique Yoshi chasse aux œufs. On va essayer de le jouer, tiens. Y'a pas un petit circuit sympa, là? Bah, genre une vallée de Yoshi, par exemple? Bah, vallée Yoshi normale. Allez, vas-y, hein. Yes, l'œuf et ça, voilà. Là, on a vraiment le full set. C'est parti. D'ailleurs, dans la vidéo nouvelle saison, je vous avais pas montré tous les chemins de la vallée Yoshi. En même temps, il y en a beaucoup. Mais on va essayer de partir vers la droite, tiens. Parce qu'à chaque fois, je passais vers la gauche. C'était mon chemin de prédilection. Mais il est stylé quand même, hein. Oh là là, il a les mêmes animations.
Enfin, quoi que je sais pas, on verra. Hein. Ouais, en tout cas, c'est exactement la même animation de départ, pour le coup. Allez, on passe à droite. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi le Yoshi Ren qui apparaît dans le tuyau spécial. Bon, le Yoshi Ren, en vrai, on s'en fout, même s'il est stylé. À gauche. Ouais. Ok, il y a deux petits tremplins, là. Ah non, il a pas les mêmes animations, en fait, je crois. Ah si, 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 si. Ah, quoique celle-là, je crois qu'il avait pas Yoshi chasse aux œufs normal, non? Oh, méga Yoshi! Allez, vas-y, détruis tout, Yoshi! Ok, ok, je prends... Oh non! Je voulais prendre des jetons. Bon, c'est pas grave. Une boîte à pièces? Non. Très bien. Allez. Oh, parfait. Ça, c'est très fort, hein. Parce que tout le monde se prend des bananes. Allez, Daniel MC. Tu vas mourir. Daniel MC! Oh! Quoi? Mais regardez! Non, mais attendez, mais... Qu'est-ce qu'il fout, Daniel MC, là? Ok, son personnage fait un peu de la merde. Allez, on va partir vers le canon. D'ailleurs, c'est drôle. Oh! Je suis passé premier, je sais pas pourquoi. D'accord, mais le canon est nul, hein. Je crois que c'est une perte de temps, hein, le canon, donc... je sais pas pourquoi. Ah, quoique, ça peut être intéressant, le canon. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des objets que vous pouvez que avoir 3ème, 4ème, 5ème. Donc, un truc qui te ralentit sans perdre ton combo, ça peut être intéressant. Et ouais! Allez, c'est parti pour la boîte à pièces du Yoshi. Chasse aux œufs dorés. Oh non, il m'a poussé, mais quel enfoiré! Putain, j'ai failli tout récupérer, là. Oh. Luigi vacancier, là. Ça va pas ou quoi? Attention, hein. Ok, encore une boîte à pièces. J'y vais. Wow. Même c'est compliqué, parce qu'en fait, il a tout envoyé sur l'herbe, quoi. Allez, génial. Bon, j'ai pas fait un score de fou, mais bon, c'est pas grave, hein. Yes, Yoshi, bravo! Bon, alors ben, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez invoqué pour le Yoshi chasse aux œufs dorés. En tout cas, ben, moi, oui, hein, comme vous avez pu le voir, j'ai eu pas mal de chance quand même. Bon, pas mal de chance. En vrai, j'aurais pu avoir plus de chance, parce que j'ai quand même terminé tout le tuyau. Enfin, presque terminé le tuyau, parce qu'il me reste 5 tirs, je crois. Mais bon, c'est quand même bien. Allez, hop. Génial. On va prendre les petits tickets. Bon, je vais améliorer le Yoshi, hein, sans trop de problèmes. Super. Est-ce que j'ai des choses à faire, tiens? Dans la boutique. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais... Ah bah oui, tiens. Faisons un petit tir. Voyons voir. Est-ce qu'on a un ultra rare? Ça serait drôle. Ok, bon, rien. Ah, je crois que c'était des pièces. J'ai vu mon compteur de pièces s'affoler. Ouais, 1000 pièces. Très bien. Bon, en tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de Mario Kart Tour. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve, eh bien, écoutez, très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Normalement, une autre vidéo invocation pour le Yoshi Kangourou. Allez, ciao, ciao!